Mais il faudrait peut-être mettre un film, quoi, tu sais, de... Ah bon ? Les baisser un peu, peut-être un peu moins, mais un peu, tu vois, parce que là, il fait... Mais tu sais, les gélatines couleur orange, là, non ? Ça écrase pas un peu ? Elle devait remonter un peu plus, je vais regarder. Ça va là, comme ça? La lumière? Ouais, ça va. Se faire discret. Alors, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais passer très rapidement le micro à Marie de Brugerolles, qui travaille à l'école, qui est enseignante en 4e et 5e année, qui avait très envie d'inviter Carole Douillard à venir présenter son travail à l'école, et peut-être pour des raisons de performance et de travail. Donc je vais laisser Marie peut-être dire quelques mots. Merci Marie. Bonsoir. Déjà, je suis très heureuse de vous retrouver en vrai, qu'on se retrouve tous en vrai, et que c'est redire que c'est une chance que nous avons dans cette école de pouvoir accueillir des paroles vivantes et d'être en présence d'artistes. C'est vraiment important de pouvoir partager ces moments ensemble après la période qu'on a passée d'être un peu dématérialisée. Et donc je suis ravie d'accueillir Carole Douillard aujourd'hui, que je connais depuis plusieurs années, qui a un travail multiple, axé à la fois sur des questions de reenactment, de performativité, à la fois du corps, du langage, mais aussi un rapport à l'histoire, la petite histoire et la grande histoire, et qui est une artiste aussi engagée. Donc elle va nous parler de ses différentes formes d'engagement. Je voulais aussi remercier toute l'équipe, parce que lorsqu'on accueille quelqu'un, c'est toute une équipe administrative et aussi technique qui s'engage pour faire qu'on puisse accueillir au mieux les artistes. Et c'est aussi une chance qu'on a dans cette école. Et je voulais dire aussi que Carole vient de loin, parce qu'elle vient de Stockholm pour nous. Elle va nous expliquer ce qu'elle y fait et aussi son parcours. Et je crois qu'elle va commencer par une pièce récente et qui est importante et qui porte plusieurs aspects de son travail, et à partir de cela développer la progression de son travail et ce qu'elle fait aujourd'hui et où ça l'amène, notamment dans des questions aussi d'archives vivantes, de travail d'historienne de l'art de Suzanne Sontag, que vous connaissez peut-être, donc entre Stockholm, l'Algérie et Los Angeles. Là, je laisse la parole à Carole. Et je voulais vous dire aussi qu'ensuite, il y a un temps d'échange, donc que je vais peut-être lancer, parce que parfois c'est un peu dur à démarrer, on n'ose pas poser une question, mais il n'y a aucune mauvaise question. Et des questions ou des remarques sont toujours intéressantes pour les artistes, de vous écouter et d'entendre ce que vous avez à en dire. C'est important, ce temps d'échange aussi. Merci. Merci Marie et Marie. Bonjour à tous et toutes. Je suis impressionnée parce que vous êtes nombreuses et nombreux. Donc c'est super. Merci d'être là. Première chose, je remarque que le premier rang est presque vide. Et ça m'intéresse parce que vous verrez que je développe un travail qui traite vraiment de la question de la relation en fait entre les corps et les êtres. Et je travaille aussi beaucoup sur la question du public et de la relation à un public. Et là, le fait que, par exemple, cet espace le plus proche de moi ne soit pas rempli, pour moi, déjà dit beaucoup de ce que c'est qu'une situation publique dans laquelle on est tous là ce soir. Une conférence, c'est une situation publique, tout comme une performance, finalement, est une situation publique.
Alors effectivement, avec Marie, on a fait un petit peu le point sur un certain nombre de directions de mon travail qu'on avait envie de vous présenter ce soir. Donc je suis plasticienne, je travaille à peu près depuis une vingtaine d'années et je viens plutôt d'un travail lié à l'objet, au design et à l'installation, il y a une vingtaine d'années. Et puis finalement, confrontée à cette question de l'objet quand j'étais étudiante et de la fabrication d'une œuvre, qu'est-ce que c'est que de produire une œuvre, je me suis retrouvée face à un certain nombre de blocages qui était notamment à l'époque celui de ne plus réussir à produire des objets. Pendant ma scolarité, en quatrième année aux Beaux-Arts, je me suis retrouvée dans une sorte d'impossibilité à continuer à faire des objets. Et du coup, je me suis d'abord paniquée, puis assez rapidement, j'ai essayé de comprendre finalement ce que c'était qu'un l'activité de l'artiste et... Je me suis dit, finalement, c'est une question de relation entre un être, une personne qui a un rapport au monde, un certain rapport au monde, le sien, une individualité, et d'autres êtres. C'est-à-dire l'œuvre, l'objet art, c'est finalement un objet transitionnel. On fabrique quelque chose, on produit quelque chose qu'on va destiner à un public, face auquel on est ou pas. Donc, voilà. Du coup, à partir de ce blocage propre à ma relation à l'objet, j'ai commencé à produire des gestes, à chercher quelque chose du côté du corps et du geste. Et puis, petit à petit, j'ai développé un travail de performance. Il y a 20 ans, c'était encore très peu de retour. La performance était plutôt considérée comme un médium qui n'était plus très contemporain, qui était daté dans les années 60, 70, 80 à la rigueur. Mais bon... dans les années 90-2000, la performance, c'était plus trop d'actualité, quoi. Donc moi, j'ai quand même travaillé coûte que coûte la question du corps et de la relation à l'autre, et j'ai développé mon travail. Alors je vais commencer, plutôt que de vous parler chronologiquement de mon activité et de mes recherches, je vais commencer par vous montrer l'extrait d'un film qui va durer... je vais le présenter à peu près une dizaine de minutes. C'est un film qui dure 30 minutes. Alors ce film s'appelle Idir, c'est une vidéo, c'est une pièce que j'ai faite en 2018 à Alger. Là vous voyez à l'image Babette Mangold qui est de dos et qui filme, qui prend en photo un jeune homme qu'on voit de dos qui s'appelle Idir et qui est donc un jeune Algérois avec qui j'ai travaillé. Babette Mangold qu'on voit de dos, c'est une femme qui a maintenant cette année 80 ans, qui est franco-américaine, partie vivre à New York dans les années 60, en 65 exactement, cinéaste, jeune cinéaste en 1965, qui ne trouve pas sa place dans ce qu'on appelait le courant de la nouvelle vague dans le cinéma français, dont j'imagine que vous connaissez un petit peu le courant de la nouvelle vague. Une femme à l'époque, en 1965, n'a pas vraiment de place dans ce milieu du cinéma qui est encore très masculin, et donc Babette Mangold se tire aux États-Unis en fait. Et rencontre à New York un peu toute la scène de la performance qui commence à émerger, la scène de la danse contemporaine, et beaucoup d'artistes qui sont les premiers performeurs en fait, de l'histoire, de ce qu'on considère comme le début de l'histoire de la performance. Donc Babette Mangold, c'est l'œil en fait, pour moi, c'est une référence, c'est une personne très importante à mes yeux, puisque c'est quelqu'un qui a documenté, c'est la première finalement qui... des premières personnes à documenter la performance au moment où elle émerge aux États-Unis sur la côte Est, donc New York, dans les années 60. J'ai rencontré Babette Mangold il y a 7-8 ans, et puis on a décidé de collaborer autour du film dont je vais vous montrer un extrait, qui est un reenactment, donc la reprise d'une performance d'un artiste qui s'appelle Bruce Nauman, qui date de 1967, que Bruce Nauman réalise dans son atelier à San Francisco, donc en 1967. Alors, on va sortir de là, si j'y arrive, parce que... Hein, et donc, on va regarder, si vous êtes d'accord, une dizaine de minutes du film, et puis après, je reviendrai sur tout ça. Est-ce qu'on peut baisser peut-être un peu les lumières, s'il y a quelqu'un, je ne sais pas s'il y a quelqu'un là-bas. Ah.
Je coupe là. Alors j'ai laissé volontairement le film se dérouler et prendre son temps pour plusieurs raisons, pour que vous puissiez voir à peu près déjà de quel quelle action en fait se déroule. Pardon, je perds mes idées parce que je voulais retourner sur le PDF et je vais y retourner tout de suite. Voilà. Oui, donc je voulais vous montrer en fait quelle était l'action qui se déroule et puis aussi déjà rentrer dans le vif du sujet qui est la question de l'attention, qui est une question pour moi très importante. L'attention qu'on porte à toutes sortes de choses, aux œuvres, à ce qu'on fabrique, à ce qu'on décide de faire, mais aussi à ce qu'on nous propose de regarder, à ce qui se passe autour de soi, à l'histoire, à beaucoup de choses en fait dont j'ai envie de vous parler. Alors Idir, en fait, le jeune homme que vous avez vu marcher, c'est un jeune homme que j'ai rencontré donc à Alger il y a 7-8 ans.
Et je faisais une recherche là-bas sur la question du corps et du corps, en fait, genré dans l'espace public et dans les espaces privés. J'étais partie là-bas pour travailler plutôt sur la question du corps féminin, puisque je suis a priori considérée comme femme, et je me considère d'ailleurs aussi comme une femme. Et j'ai une double origine, franco-algérienne, et donc, il y a une dizaine d'années, j'ai décidé d'aller mener un projet de recherche à Alger et en Kabylie sur la question de la corporéité. Voilà, ma question, c'était un petit peu, est-ce que être une femme qu'est-ce que ça change, en fait, dans l'espace public, d'avoir un corps de femme ou d'avoir un corps d'homme? Je vous le résume en très très gros, parce qu'en fait, les questions que je me pose sur le genre, notamment, sont bien plus approfondies que cela, mais on va commencer comme ça. Et donc, m'intéressant à cette question, finalement, je me suis dit, mais il y a tellement d'hommes dans l'espace public en Algérie, c'est tellement peuplé plutôt de masculinité et du genre masculin, l'espace public, je précise, la rue, que pourquoi est-ce que je ne m'intéresserais pas finalement à la présence masculine? Et donc je me suis concentrée sur cette question et j'aurais besoin de Fiona, je ne sais pas si elle est là. Non, elle est repartie. J'ai besoin d'un petit truc technique si vous pouvez me la trouver. Parce que je ne sais pas comment repartir sur aperçu en fait. Et il faudrait que mon fichier aille sur aperçu, que je puisse, parce que là on est sur Acrobat et ça va pas. Comme ça? Ouais. C'est pas ça aperçu? Ouais, j'ai dû fermer mon fichier, je sais pas pourquoi. Non, il est fermé, c'est celui-là en fait, mais qu'il faudrait ouvrir dans un. Ah. Bah, en fait, peut-être faut aperçu ouvrir, non? Mais c'est celui-là, le PDF? Oui, mais là c'est Acrobat, ouais. Ah, pardon. Ah, tu le veux dans aperçu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, voilà, fichier ouvrir peut-être. Voilà. Ça? Ouais, super. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Ouais, super. Merci Marie. Voilà, excusez-moi, je vais aller que je reparte un petit peu sur les fichiers. Donc, Idir, que ce jeune homme que vous avez vu activer, donc reprendre un geste de Bruce Nauman, que Bruce Nauman fait dans son atelier en 1967 à San Francisco, Idir, je le rencontre donc il y a 7-8 ans et... Je l'ai rencontré en fait parce que j'avais demandé à une jeune femme qui m'assistait de réunir un groupe d'hommes pour faire une maquette de performance dont je vous parlerai un peu plus tard, qui s'appelle The Waiting Room. Je voulais réunir un groupe d'hommes justement pour commencer à travailler sur ce motif, donc ce que je considère comme un motif, c'est-à-dire des groupes d'hommes dans les rues. Pour moi, c'est un motif, comme on parlerait d'un motif pictural voilà, un motif répétitif et auquel j'ai envie de m'intéresser vraiment comme plasticienne, donc comme observatrice en fait. Et donc cette jeune assistante, Sarah, me propose de rencontrer une dizaine de garçons et de jeunes hommes, dont Idir. Et il m'a intéressée, en fait, je l'ai trouvée, quand j'ai regardé les rushs après de ce que j'avais... de ce que j'avais commencé à photographier, de toute ce petit groupe d'hommes, y dire en fait, je trouvais sortir du lot. Il y avait quelque chose dans sa présence qui m'a attirée, intéressée, interpellée. Et du coup, je lui ai reproposé, un an après, je suis repartie à Alger, je lui ai proposé de devenir mon corps, en fait, et de devenir surtout, enfin, mon corps au sens de travailler avec moi sur un certain nombre de choses, des marches, des voilà, est-ce que j'ai besoin de travailler avec un homme qui marche dans la rue, de filmer, de voir, mais j'étais en recherche, hein, j'étais pas encore en train de produire quoi que ce soit, j'étais en recherche et je voulais travailler sur la figure masculine. Donc Idir m'a dit ok, avec grand plaisir. Donc on a commencé à bosser ensemble, à discuter, à se rencontrer, et petit à petit, en discutant avec lui, en le rencontrant un peu mieux, je comprends que c'est un jeune homme gay, et qu'en Algérie, avoir une orientation sexuelle ou de genre un peu différente de ce qui serait la norme, ça pose un certain nombre de problèmes, notamment politiques. Et ça, ça m'a beaucoup intéressée, parce que de fil en aiguille, je me suis dit, mais finalement, voilà, ce corps masculin qui est dans la rue à Alger et qui est plutôt un corps viril, représenté comme viril, et si je réintégrais... Je vous le dis comme je le comprends maintenant, mais à l'époque, je cherchais. Mais petit à petit, je me suis dit, et si je réintégrais un petit peu de rondeur et de hanches dans ces corps masculins qui sont plutôt très droits, considérés comme des corps qui doivent être rigides, tendus,
le corps dur et le corps mou, ça je vous en reparlerai, deux notions, corps dur, corps mou. Le corps dur, c'est le corps, par exemple, du policier, qui est un corps droit, qui se tient droit, et qui est le corps de l'autorité. Le corps mou, c'est plutôt le corps du dormeur, c'est un corps alangui, avachi, qui est moins maîtrisable, peut-être. Bon, ces questions m'intéressent énormément. Et du coup, rencontrant Babette Mangold au même moment, comme je vous disais, Babette, en fait, elle est contemporaine de cet artiste, Bruce Nauman, dont on commence à voir un petit peu... l'apparence ici, et donc regardant y dire, le fantôme, enfin l'image de Bruce Nauman m'est revenue, je sais pas, il y avait quelque chose dans les corps en observant ce jeune homme algérien qui me ramenait à cette présence de Bruce Nauman, qui est un artiste très important pour moi, un artiste de l'histoire de l'art, qui est un des premiers performeurs en fait à intégrer dans la question de la sculpture et de l'installation le corps, et notamment le corps qui ondule. Donc cette pièce de Nauman, je ne vais pas vous en montrer un extrait tout de suite parce que je pense que ça prendrait trop de temps, mais vous pouvez trouver la pièce, la vidéo originale qui s'appelle, alors attention c'est long, Walking in an Exaggerated Manner Around the Perimeter of a Square. C'est un peu long. Marcher d'une manière exagérée autour du périmètre d'un carré. Donc Bruce Nauman en fait fait le geste que vous avez vu repris par Idir, qui est ce mouvement comme ça du bassin qui ondule et qui... marche sur le périmètre dessiné là dans l'atelier d'un carré. À Alger, quand on a travaillé avec Babette Mangold, donc qui filme, moi j'ai mis en scène Idir, c'est moi qui ai mis en performance Idir et Babette a filmé. Et donc on a décidé de resituer cette action en fait 50 ans après dans les rues d'Alger, dans 4 endroits différents. C'est pour ça aussi que je voulais que le film se déploie un petit peu, que vous voyez quelle est la rythmique en fait, d'un geste comme ça qui se déploie dans le temps et l'espace. Et qu'en fait, on va passer d'un espace à l'autre à Alger. Il y a 4 lieux qui vont être investis par un même geste, toujours le même. La répétition du geste, quelque chose qui peut être de l'ordre de l'ennui et de la lenteur et du ralentissement. Mais pour moi, ça, c'est important parce que... la question de la contemplation, à laquelle je tiens beaucoup, du regard qu'on porte sur son environnement et sur soi et sur les gestes qu'on peut accomplir soi-même, la lenteur peut parfois être un matériau en soi. Et on n'est pas, je pense que pour résister à certaines exigences dont on est toujours les objets, et de plus en plus, je trouve, la lenteur peut être une forme de résistance. Pour moi, en tout cas, c'en est une. Voilà. Donc je tiens à ce que certaines actions soient, par exemple ici, filmées en temps réel, pour ce qu'elles sont. On n'est pas dans l'artifice, c'est un geste très simple, mais à travers ce geste, alors je reviens un petit peu sur l'identité d'Idir, parce qu'elle est politiquement pour moi importante, ce jeune homme donc, dont je comprends petit à petit qu'il est gay et qu'il vit dans une société qui ne tolère pas vraiment l'homosexualité, ni d'ailleurs les déviances de genre, hein, mais c'est valable pour les femmes aussi, hein, mais aussi pour les hommes, on parle sans arrêt, notamment dans les pays du Maghreb, où on s'imagine toujours que... Les pays maghrébins ou les pays musulmans, et j'en viens, hein, donc je sais à peu près de quoi il s'agit, on s'imagine toujours que les corps contraints ou que les contraintes sont souvent celles des femmes, et en fait non, quand une société est contrainte, c'est toute la société qui est contrainte. Et d'ailleurs, on pense souvent aux autres comme ou à d'autres cultures, par exemple la culture musulmane, comme des cultures contraintes, mais qu'est-ce qu'il en est des nôtres et de nous, des espaces dans lesquels nous on vit? Et pour moi, c'est ça la vraie question, c'est comment, à partir d'une idée qu'on se fait ou d'un stéréotype, on va déconstruire nos propres rapports à notre corps et à notre environnement privé et public. Et donc, y dire, le fait qu'il soit gay, ça ne m'a pas intéressée en soi. C'est pas la question, ce n'est pas de m'intéresser à un jeune homme gay. La question, c'était de m'intéresser à un jeune homme qui se sent enfermé dans un corps ou dans des attitudes qui ne lui font pas de bien, en fait. Et parce qu'il me racontait, et très vite, il m'a parlé du fait qu'il avait quelque chose qui lui posait problème, c'est qu'il devait faire son service militaire. En Algérie, le service militaire est obligatoire, comme il l'était ici, d'ailleurs, pour les hommes il y a 20 ans ou il y a encore 15 ans. Et donc, Idir me dit, moi, je ne veux pas faire le service militaire parce qu'on va me demander pendant 2 ans d'intégrer finalement une virilité qui ne m'intéresse pas du tout. Je ne veux pas de ce corps dur, justement. Je vous parlais tout à l'heure des corps durs et des corps mous, ça ne m'intéresse pas. Et je ne veux surtout pas développer cette... au contraire, moi, je me reconnais dans une identité plus fluide et je tiens à la développer. Et du coup...
en Algérie en ce moment, s'il ne fait pas son service militaire, comme tous les hommes là-bas, s'il sort du pays, s'il sort de l'Algérie, il ne pourra pas revenir parce qu'il sera considéré comme déserteur. Donc, pour moi, il y avait plein de strates, en fait, dans cette identité, dans cette rencontre avec lui. Il y avait non seulement la question du corps masculin, de sa présence dans l'espace public, mais aussi de l'enfermement, c'est-à-dire de l'enfermement dans un corps ou dans ce qu'on exigerait de quelqu'un, de la manière de se comporter, mais aussi de l'enfermement au sens propre, c'est-à-dire être enfermé dans un territoire et prendre de gros risques politiques si jamais on décide d'en sortir sans se plier à la règle. Bon, je vais un petit peu loin, je vais peut-être continuer à parler du travail, mais alors du coup, je vais passer tout de suite à une autre performance pour qu'on continue sur cette lancée algéroise et du corps et de la présence de ce qu'on pourrait nommer la masculinité. Alors là, ça c'est un autre travail, mais qui était justement celui, la maquette dont je vous parlais, pour laquelle j'avais fait regrouper des jeunes hommes à Alger, parce que je voulais travailler sur le motif de la présence d'un groupe dans l'espace public. Ça, c'est une pièce donc, qui s'appelle « The Waiting Room », qui est une performance qui dure 4 heures, que j'ai faite, que j'ai présentée deux fois. Et là, c'est la première qui a été présentée en 2014 à la ferme du Buisson, donc dans un contexte d'exposition et donc d'objets exposés. Dans ce contexte d'exposition, moi, j'ai proposé une action, c'est-à-dire une pièce. Pour moi, la performance, c'est très proche de la sculpture, en fait. Je considère pas que je fais du happening ou que je fais du body art. Je pense que je travaille plutôt sur des objets vivants, on va dire. Enfin, je ne sais jamais, la question de la performance, on en parlait ce matin, c'est toujours difficile à définir parce que c'est quoi la performance finalement ? Bon, pour moi, là, il s'agit de présenter une pièce vivante qui va donc aller chercher le spectateur aussi dans sa vivance à lui et dans son corps à lui, et dans ses émotions et sa confrontation avec l'autre. Et donc là, dans la ferme du Buisson, donc le spectateur, le visiteur de l'exposition, il se balade dans un musée ou dans une expo, et puis il rentre dans une pièce dans laquelle il y a 6 hommes que vous voyez là, et qui ne font rien. Ou en tout cas, en apparence, ne font rien. Ils sont là, en fait. Ils sont juste là, présents à ce qu'ils font, très attentifs les uns aux autres. Vous voyez l'image du bas, par exemple, ils se chuchotent à l'oreille, ils sont en présence. Et donc, The Waiting Room, c'est vraiment justement du coup une pièce directement inspirée de ce motif de la rue algéroise où donc je passe du temps et où je vais souvent et qui fait partie aussi de mon environnement à moi, très proche. Et donc, c'est l'extraction finalement d'une scène de rue qui va... l'extraction, oui, d'un motif que je vais transposer dans l'espace d'exposition et qui va être montré finalement ou donné à voir ou à partager avec le visiteur, le public, le spectateur, comme un moment à vivre, en fait, tout simplement. Donc pendant 4 heures, ces hommes sont là. Ils sont en latence. Ça veut dire que les spectateurs que vous voyez ici, par exemple, toutes les deux, ce sont des spectatrices, là aussi... Le visiteur, en fait, le public prend sa place. En tout cas, pour moi, quand je propose une action, du coup, et là, quand elle est en live, elle n'est pas filmée, elle est en direct, c'est au public de prendre sa place de spectateur. C'est-à-dire que vous, si vous rentrez dans la pièce, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, quand on est dans un même espace tous ensemble, on choisit la position qu'on va prendre. Vous avez choisi de vous mettre... au fond de la salle, loin de moi, ou proche de moi, ou proche de l'écran, loin des autres. On choisit notre espace corporel, en fait. Et ça m'intéresse beaucoup. Ça rejoint une science humaine qu'on appelle la proxémie, et qui est l'étude, finalement, de l'espace, mais matériel, quoi. L'étude des espaces que les humains fabriquent ou constituent, des espaces dans lesquels on vit, mais au sens presque animal du terme, c'est-à-dire, par exemple, il y a une distance qui est considérée encore toujours, je ne sais pas, du coup, avec le Covid, peut-être que ça a réinterrogé, il y a une distance qui s'appelle la distance sociale, qui est à peu près de 70 cm. Et vous devez certainement la vivre très souvent, cette distance sociale. C'est quand vous prenez un bus ou que vous êtes dans la rue, que vous rencontrez quelqu'un. Si vous ne connaissez pas très bien la personne encore, vous n'allez pas vous rapprocher trop d'elle. Vous allez vous mettre à peu près
à une distance. Vous verrez, hein, c'est à peu près ça, en fait. C'est à peu près la distance qui est entre vous. C'est moins d'un mètre. Et c'est une distance qu'on prend, bon, à peu près spontanément, quand on ne connaît pas une personne qu'on rencontre, quand on a besoin de sa bulle, vous savez, la bulle voilà, du corps, quoi, de ce qui permet de se sentir en sécurité. Et alors, quand on rentre dans la bulle de l'autre, là, c'est déjà autre chose. On rentre dans son périmètre. Et, bah, alors, il y a, par exemple, l'odorat qui rentre en compte, l'odeur de l'autre, la chaleur de l'autre. Plus on se rapproche, enfin, voilà, je ne vais rien vous apprendre, mais plus on se rapproche de l'autre, plus on sent son corps et plus on est en présence d'une corporealité qui se fait, voilà, qui s'impose, quoi. Donc, ces questions, elles m'intéressent beaucoup. C'est-à-dire comment on se partage l'espace et quelle place on prend avec l'autre, devant l'autre, face à l'autre. Et donc, cette performance Waiting Room, ce que j'avais trouvé assez sidérant, en fait, c'était comment le public s'était approprié une proposition performative. Parce que, par exemple, ces deux femmes que vous voyez sur le côté, là, qui sont assises, il y en a une d'elles, qui est celle-ci, qui est restée quasiment 4 heures dans la pièce. Donc, il y a des spectateurs à qui je n'ai rien demandé, évidemment, puisque c'est silencieux, c'est une pièce silencieuse, il se passe presque rien. Mais il se passe quand même quelque chose, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Autant la lenteur est, pour moi, une forme de résistance et une attention. La lenteur, ça permet de porter de l'attention à quelque chose ou à quelqu'un, prendre le temps d'eux. Et autant une performance, on peut passer devant quelque chose qui se passe sans y faire tout à fait attention, mais on peut aussi choisir de s'installer dans une situation. Et étrangement, The Waiting Room, comme il y a 6 hommes qui sont vraiment en proxémie, eux, ils sont en proximité, et par la mise en scène que moi je leur ai proposée, c'est-à-dire les gestes que je leur ai proposés, on sent qu'ils sont ensemble, ils forment un groupe, eh bien, il y a une sorte de qualité, en fait, intimiste qui s'est construite entre eux, qui a permis à certains, beaucoup de monde, en fait, du public, de rester avec eux, c'est-à-dire d'avoir envie de rester, d'avoir envie de comprendre ce qui se passait. Alors, il y a aussi, ça touche à quelque chose qui m'intéresse beaucoup, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est les neurones miroirs, c'est tout l'équipement, ça fait partie de la neuropsychologie, et les neuromiroirs, en fait, c'est des neurones qu'on a tous, évidemment, qui sont ceux de l'apprentissage et de l'empathie. Et donc, quand ils sont activés, ces neurones, eh bien, plus on est empathique, plus on est en attention et en amitié, par exemple, avec quelqu'un, plus on va imiter ses gestes. Vous voyez, quand on est amoureux, alors là, l'amour, c'est encore plus évident. Quand on est amoureux, souvent, les couples finissent par, on dit souvent, ils finissent par se ressembler parce que y a du corps à corps, justement, parce qu'il y a de la proxémie. Et plus le corps est proche, plus on est proche d'un être, plus, en fait, on va développer des gestes inconscients qui vont être en lien avec cet être-là. Où par exemple, les enfants, les bébés apprennent comme ça. C'est leurs neurones miroirs, le développement de leurs gestes et de leurs apprentissages passe par la reproduction des gestes qu'ils voient autour d'eux. Et le langage se construit de cette manière-là, évidemment. On apprend une langue en répétant, en observant, en regardant. Et pour la gestuelle, c'est la même chose. Si au bout, voyez, ce geste que je fais là, si je le refais... Au bout d'un moment, enfin, c'est-à-dire porter l'attention à tous ces gestes, aux micro-gestes, à toutes les petites choses qu'on fait et qu'on produit les uns les autres, comment nos corps aussi se comportent, c'est commencer à rentrer dans un langage qui est un langage très subtil, en fait, et qui fait partie du langage de la performance, à mon sens. Donc, par exemple, proposer une performance qui dure 4 heures, c'est pareil, l'idée c'est... je ne vais pas présenter une action qui dure 10 minutes, ça n'a pas d'intérêt pour moi, parce qu'on n'a pas le temps en 10 minutes de comprendre une situation et de la vivre surtout. Pour moi, le temps d'une action, le temps d'une pièce, il faut qu'il soit, il faut qu'il laisse la place au spectateur de prendre ou pas la pièce, en fait. Comme quand vous allez voir un tableau, une sculpture, vous allez choisir vous-même le temps que vous y passez, parce que ça va correspondre à une envie que vous avez ou pas de passer du temps avec cette œuvre, quoi, ou cette pièce, cette proposition. Je n'ai pas du tout le schéma que j'avais prévu, mais ce n'est pas grave, je vais continuer avec le geste et les actions et la performance. Pour le moment, on va la nommer comme ça. Donc ici, c'est une performance qui s'appelle The Viewers et que j'ai présentée la première fois au Palais de Tokyo en 2014, puis représentée plusieurs fois dans d'autres contextes. Les Viewers, c'est une pièce simple. Enfin, pour moi, elle est très simple. C'est une foule, un groupe de 18 personnes qui regardent
les spectateurs d'une exposition. Donc, j'aime à penser que c'est une sculpture. Pour moi, c'est une sculpture. C'est-à-dire, c'est un volume. Alors, quand je dis sculpture, c'est vraiment la question de l'exposition, en fait, qui, pour moi, est importante. Qu'est-ce que c'est qu'une exposition et comment, en tant qu'artiste, on... Alors ça, bon, ce sont des questions de performance, peut-être plus spécifiquement, mais quand même, la question de la scénographie, elle est inhérente à nos métiers d'artiste et à nos pratiques de fabricants d'objets, on va dire ça comme ça pour l'instant. Et donc, quand on décide, quand on est invité ou qu'on nous propose d'exposer, je trouve que c'est important de se poser la question de l'espace dans lequel on est invité à présenter... une pièce. Et je pense que c'est valable aussi pour les accrochages, pour tous les moments de diplôme. À mon avis, c'est une question de fond. Comment on montre le travail ? À qui ? Bon, déjà, ça implique l'idée de se poser la question de qui regarde notre travail ? Quel est le spectateur ? Est-ce qu'un jury est une audience ? Est-ce qu'un professeur est un spectateur ? Vous savez, vous connaissez, j'imagine, mais peut-être pour que certains d'entre vous ne connaissent pas encore, cette fameuse phrase de Duchamp qui est vraiment... qu'on ressort sans arrêt, mais incroyablement, Marcel Duchamp, il avait quand même bien défriché un terrain dans lequel on continue à agir. Il disait, c'est le regardeur qui fait le tableau. Et ça, c'est vrai que c'est pour moi une notion très importante. C'est-à-dire, en fait, quand on présente un travail, qui fait quoi et quoi fait qui ? C'est-à-dire, qui va être concerné par ce qu'on produit, nous, les artistes, nos activités, là, elles intéressent qui, finalement ? Et comment on va faire que ce qu'on produit constitue de l'intérêt pour l'œil de l'autre, le regard de l'autre ? Et finalement, les arts visuels ne sont qu'une question de regard. Enfin, l'histoire de l'art, elle concerne énormément ce sens qui est le sens du regard, en fait. Et ça, moi, ça m'intéresse beaucoup. Je me suis, par exemple, intéressée, et je continue à m'intéresser beaucoup, à ce qu'on appelle... j'ai oublié le terme. C'est un terme de peinture, peut-être. Marie, tu vas pouvoir m'aider. Notamment Courbet utilisait beaucoup. C'est cette manière dont les personnages... Oui, l'absorbement, ça y est, je retrouve le terme. La notion d'absorbement en peinture, c'est... alors, vous verrez, si vous vous intéressez à ça, c'est Michael Fried qui a écrit beaucoup. C'est un historien d'art qui s'appelle Michael Fried, F-R-I-E-D, qui a beaucoup écrit sur la notion d'absorbement. Et l'absorbement, c'est, par exemple, quand vous êtes face à un tableau dans lequel l'action est en train de se passer dans la toile. Et les personnages sont tellement impliqués dans leur action que nous-mêmes, en tant que spectateurs, on est invités, on fait partie des regardeurs du tableau. Par exemple, une femme nous tourne le dos et fait un geste qui va nous amener dans son intimité. Je ne sais pas si je suis très claire, mais bon. Notion d'absorbement, c'est vraiment une notion picturale, de technique picturale qui fait que le regardeur va être impliqué plus ou moins dans l'œuvre, en fait. Ou alors va en être exclu. Et donc, cette notion d'absorbement dans les viewers, pour moi, elle a été vraiment... En fait, elle est retournée, c'est-à-dire que je me suis dit, mais finalement... est-ce que c'est l'œuvre qui regarde le public ou est-ce que c'est le public qui regarde l'œuvre ? La performance, qui est donc un travail vivant pour moi, permet d'activer cette question. Et là, les viewers, ils sont très simplement en présence, ils activent cette question du regard porté sur une œuvre d'art, puisque là, c'est présenté au Palais de Tokyo, mais porté aussi sur un public. Ou sur une situation, ou sur un bâtiment. Là, par exemple, donc, c'est la même performance de viewers qu'on m'a proposé d'activer à Oslo pour une biennale il y a 2 ans, en me proposant de l'activer dans l'espace public d'Oslo, donc dans la ville. Et donc, elle a été réactivée 11 fois dans 11 sites différents qu'on a choisis avec l'équipe là-bas, et qui sont des endroits de la ville, tous très différents les uns des autres. Par exemple, la photo à droite avec le mural, c'est un Picasso, c'est un bâtiment des années 50 qui a été détruit depuis, ça c'était en 2018, et en fait, depuis 2019, depuis, ce bâtiment a été détruit. Et à l'époque, il y avait toute une controverse autour de la destruction de ce bâtiment, parce que justement, donc, c'est un Picasso qui date, je crois, de 1953 ou 54. C'est un bas-relief de Picasso, un mur
gravé. Et il y avait toute une polémique. Oui, mais si on détruit ce bâtiment, on va aussi détruire le Picasso. Et puis derrière, il y avait aussi toute la question d'une époque de l'architecture qui est l'époque brutaliste des années 50, bétoniste, où si on détruisait ce bâtiment, on détruisait quelque chose de l'histoire d'Oslo et de la ville d'Oslo. Donc moi, finalement, avec mes viewers, là, dans la ville d'Oslo, je me suis dit, mais cette pièce, finalement, quand elle sort du musée, peut-être qu'elle prend une dimension un peu plus sociopolitique et que ce groupe de gens là, qui vont se retrouver sur plusieurs mois à performer dans 11 endroits de la ville, peut-être que quand ils sont dans l'espace public, ils disent autre chose que la question du tableau dans la galerie d'art ou dans le musée. Et notamment, pour moi, ce qu'ils disent là sous le Picasso, c'est on soutient notre corps collectif, en fait, notre engagement, notre corps performatif soutient ce mural de Picasso et soutient le fait qu'on n'est pas d'accord pour que ce soit détruit. Donc ça faisait partie, finalement, on a activé cette pièce à ce moment-là, qui a rejoint une forme d'activation d'un moment politique important pour la ville et pour les citoyens de la ville qui voulaient absolument préserver ce bâtiment. Et puis finalement, c'est l'Amérique qui a gagné, ils ont fini par le détruire, donc il n'existe plus du tout. Là en bas, l'image du bas, c'est le même groupe de gens qui performent dans un tout autre lieu de la ville, qui est un quartier un peu plus, alors qui est considéré comme un peu plus populaire. Bon, alors ça, c'est les villes du Nord. Bon, quartier populaire, moi je trouve qu'au contraire, enfin, pour eux, ce sont des quartiers un peu plus grouillants, un peu plus agités. Bon, moi je trouve que c'est pas quand on voit les énergies, ça c'est intéressant, les énergies des villes et des espaces publics n'ont rien à voir d'un pays à l'autre, bien souvent. Et dans les pays du Nord, ce sont des pays où l'espace public est très calme, souvent beaucoup plus silencieux qu'ici ou que dans le Sud, quand on descend vers le Sud. Et ça aussi, c'est des questions que je trouve intéressantes, c'est comment un espace est agissant, en fait, et comment, quand on pose un corps dans un espace, c'est ce que je vous disais par rapport tout à l'heure à The Waiting Room, c'est... poser un corps dans un espace, ça construit un contexte aussi, ça parle du contexte, mais ça le construit aussi. Voilà, là c'est une image du même groupe, donc qui est sur ma gauche, sur la gauche, et en face, c'est le public, c'est des gens qui se sont regroupés là et qui leur font face. Donc je trouvais cette photo assez intéressante parce que là on ne sait plus du tout qui est qui, est-ce que voilà qui performe, qui ne performe pas, où est l'objet artistique, où est-ce qu'il n'est pas, voilà, parce que évidemment à partir du moment où on utilise le corps ou le geste comme élément artistique, il va bien falloir le délimiter puisqu'on est tous voilà, on a tous des corps, donc qu'est-ce qui fait qu'un geste devient artistique ou ne l'est pas ? Ou esthétique, même, plus qu'artistique. Qu'est-ce qui fait qu'un geste aurait une valeur esthétique ou pas ? Je vais remonter un petit peu plus haut pour vous parler de toute autre chose. Merci à tous. Le Covid, c'est ça ? Moi, je reviens de Suède, là, et en Suède, il n'y a plus de masque, il n'y a plus aucune distance. Les bars sont bondés, les restos aussi. Et les salles de cours, c'est impressionnant, quoi. Ils n'en sont plus du tout... Enfin, les bars aussi sont peut-être bondés ici, hein. Je ne sais pas, ça fait un petit moment que je n'étais pas... oui, donc, alors je chausse mes lunettes parce que pour voir de près, j'ai besoin de mes lunettes. Donc, je suis restée là du côté plutôt des actions et de la performance. Puis là, je vais vous parler peut-être d'un petit peu autre chose qui, justement, dont Marie a commencé à introduire un petit peu la dimension tout à l'heure. C'est la question des archives et du document. Alors... pour moi, quand je vais demander à Babette Mangold, par exemple, enfin proposer à Babette Mangold, qui donc, je vous disais tout à l'heure, est cette femme cinéaste qui a filmé toute une grande partie de l'histoire du début de l'histoire de la performance, et qui d'ailleurs a fait un film aussi qui est assez génial. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion de le voir, mais je vous le recommande. Qu'elle a filmé Marina Abramović en 2007, au Guggenheim. Marina Abramović en 2007 a fait... grosse expo au Guggenheim,
à New York où elle présentait, elle reprenait des performances justement d'archives, c'est Seven Easy Pieces. Elle reprenait sept performances de l'histoire de l'art qu'elle réincorporait. Et Babette Mangold a fait un film sur cette présence de Marina Abramović dans le musée pendant 7 mois, je crois. Il me semble que c'était une expo qui durait 7 ou 8 mois et que chaque mois, elle réactivait une performance différente de l'histoire de l'art. Une pièce de Beuys, une pièce de Naumann, une pièce de... Vito Acconci. Et comment elle s'appelle cette pièce de Valley Export aussi. Bon, Marina Abramović s'installe dans le musée, et puis c'est un petit peu le début. En fait, c'est important, pour nous, ce qui nous concerne, la question de la performance et du rapport à l'institution, les années 2000, c'est un peu le moment où les musées vont enfin consacrer l'art du geste et dire, ah ouais, en fait, finalement, la performance, c'est un art qui s'expose. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que le vivant s'expose ? Bon, oui. Moi, à mon avis, oui, bien sûr, mais qu'est-ce que c'est la différence entre exposer du vivant et exposer de l'objet ? Bon, question ouverte. Mais donc, Babette Mangold a filmé Marina Abramović pendant tout ce temps et a fait un film sur la question de la relation, en fait, entre les spectateurs, les visiteurs du musée, à ce corps de l'artiste sacralisé. Marina Abramović, c'est une sorte de reine de l'histoire de la performance. Elle se vit aussi comme ça et surtout, elle en joue beaucoup. Elle se sacralise elle-même. Donc forcément, quand on est face à elle, moi, je l'ai croisée déjà une fois. C'est hyper impressionnant parce que c'est un corps... C'est une femme qui a extrêmement conscience de sa force performative et qui a traversé des situations corporelles et psychiques tellement profonde qu'elle a une espèce de force, de présence humaine impressionnante, quoi. Et donc, Babette a essayé de travailler sur cette question. Comment le corps de l'artiste et le corps de son spectateur vont interagir pendant plusieurs mois dans le musée. Et donc, quand je reviens à Babette Mangold, quand je lui ai proposé de travailler avec moi, c'était vraiment aussi dans l'idée d'interroger l'histoire. Pour moi, l'archive... C'est ce par quoi on a accès à l'historicité et à l'histoire, en fait. Et donc, une personne vivante, donc Babette Mangold, qui est cinéaste, mais qui a tout ce savoir-faire, qui a 80 ans et donc qui a traversé l'histoire de l'art et une certaine histoire de l'art, elle est porteuse aussi de l'historicité. Donc, c'est une archive... Enfin, pour moi, c'est un peu une archive vivante, on va dire ça comme ça. Et donc, je m'intéresse à cette question de la performativité de l'archive. Alors, je ne sais pas comment y répondre. Quand je dis que je m'y intéresse, c'est que pour moi, l'activité de l'artiste, c'est de la recherche. Donc, je n'ai pas de réponse. Mais les questions que je me pose sont des prétextes pour travailler, en fait, et pour produire du visible. Je vais l'appeler comme ça. Et là, alors, ce sont juste deux images que je voulais vous montrer, mais qui sont très... toute simple, c'est des photos de documents, des archives du féminisme. Parce que j'ai passé en fait 3 mois en résidence dans les archives du féminisme à l'université d'Angers. En fait, avec un FRAC, le FRAC Pays de Loire, qui proposait des résidences à l'université. Et donc, c'est l'université d'Angers. Il y a un pôle de recherche, en fait, qui s'appelait JEDI à l'époque, mais qui est terminé depuis. C'était un programme de recherche, JEDI, genre et identité, je crois. Et qui était mené par une historienne de l'art, Christine Barr. Enfin, non, pardon, une historienne du féminisme, Christine Barr, qui, du fait qu'elle est dans cette université, a développé un pôle d'archives qui est le second en France. En fait, il y a deux endroits en France où sont conservées les archives de l'histoire politique du féminisme français. C'est l'université d'Angers et le centre Simone de Beauvoir, la bibliothèque Simone de Beauvoir à Paris. Alors, ces archives, en fait, elles contiennent... Les archives, c'est des lieux... assez indigne. C'est des alignements de documents, de casiers, c'est des boîtes avec à l'intérieur des documents. Et donc, moi, j'avais proposé un projet autour de la question de performer l'archive. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Ma question, c'était, est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec, entre le corps et le document et la présence de l'artiste ou chercheur dans ces archives ? Bon, et qu'est-ce que je peux en faire ? Et du coup, j'ai travaillé pendant 3 mois, j'ai vécu dans ces archives, enfin, j'y habitais pas jour et nuit, mais j'étais quand même assez obsédée.
et prise dans ce lieu, en fait. Et donc, j'ai ouvert les boîtes, pas toutes, parce qu'il y en a certaines qu'on n'a pas le droit d'ouvrir. Il y a des archives, elles sont... Il y a des délais aussi autour desquels on ne peut pas encore les consulter. Donc là, j'ai ouvert un certain nombre de boîtes et j'ai regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y avait toutes sortes de documents. Là, par exemple, c'est un dossier qui fait partie de toute une documentation d'un médecin des années 50, gynécologue, qui a légué tout son fonds médical à ses archives et qui donc, dans ce fonds, il y a toute sa documentation. Tous les dossiers sur lesquels il a travaillé, toute la question de la contraception aussi, parce qu'il faisait partie des médecins dans les années 50 que l'État français, le ministère en fait, de la Santé, envoyait en Chine pour travailler sur la contraception, pour comprendre comment les Chinois étaient si bons avec la limitation des naissances, pour que la France, petit à petit, développe des politiques de contraception. Et petit à petit, toutes ces politiques en fait, de santé des années 50 ont mené une vingtaine d'années après, à l'autorisation de l'IVG. Dans les années, l'IVG, c'est 74, 73. Et la pilule en 67, 1967 en France. Alors, c'est pas... ça pourrait paraître anecdotique, ce que je dis là, mais en fait, pour moi, c'est très, très important parce que l'art est politique, je pense. Enfin, c'est ma posture, en tout cas. Et politique, ça ne veut pas dire forcément politicien, au contraire. Mais politique, c'est plutôt à la manière dont Michel Foucault le nommerait, c'est-à-dire... Et puis d'ailleurs, c'est l'étymologie aussi. C'est prendre la place, prendre sa place dans la cité, prendre sa place dans la police, dans la cité. Et dans ce sens, pour moi, l'artiste est un être qui joue un rôle. Enfin, c'est mon point de vue, hein. Je ne veux pas parler pour tout le monde. Mais je pense que l'artiste, qui est souvent en marge et qui regarde, qui porte une attention souvent à des choses auxquelles beaucoup ne portent pas d'attention, et qui prend le temps de regarder et qui a une position politique au sens où il joue un rôle peut-être un peu plus subversif. Peut-être que d'autres... En tout cas, la question de la subversion, pour moi, elle est très importante. Et ce qui m'a intéressée dans ces archives... Alors, j'ai surtout fait beaucoup de photographies, en fait, et puis ça a mené à une performance dont je n'ai pas les images ici, où j'avais proposé aux étudiants de l'université de porter des documents, de les donner à voir au public, en fait. C'est-à-dire, les archives, souvent, ce sont des objets cachés. Ils sont pas vus. Ils sont, comme je vous disais, entreposés dans des boîtes et pas très accessibles. Et donc, moi, à travers ce regard de cet œil que j'ai commencé à déployer, les photos que j'ai faites, là, c'en est une, là aussi, par exemple. Ça, c'est un document qui était le document du FRAC, une publication avec un texte qu'on a écrit autour de ce travail que j'ai fait dans les archives. Et donc se mêle à mes photographies des œuvres du FRAC, en fait, que j'avais choisi d'exposer autour des miennes. C'était la proposition du FRAC. Donc là, par exemple, ça, c'est une photo que j'ai faite. Celle-ci aussi. Là, par exemple, c'est Yvette Roudy, qui était la première ministre du droit des femmes en 1980, sous Mitterrand. Alors, bon, pour moi, ça, c'est quand même important, parce que c'est dans ces archives, finalement, qui commencent en 1886... On voit toute la progression, finalement, de la place des femmes dans l'univers public et dans la cité, à travers la place qu'elles prennent de plus en plus, notamment, par exemple, à travers les suffragettes, dont vous avez peut-être entendu parler, qui étaient beaucoup des étudiantes de l'école d'art de Londres et qui étaient des militantes des années 10-15 et qui ont milité et performé, d'ailleurs, pour le droit de vote. Je vais un petit peu loin, mais là, Yvette Roudy, par exemple, cette photo, c'est une photographie qui est recouverte d'un calque. Alors, j'ai fait des photos, moi, dans les archives, en faisant des focus, en fait, dans les images et dans les documents. Ça, par exemple, c'est un ensemble de... C'est une coupe dans des dossiers qui sont posés les uns sur les autres. Ça, c'est une tache d'encre. C'est une lettre qui doit dater des années 20 ou 30. Et je prenais en photo, là, je m'intéressais à l'encre, comment l'encre avait traversé tous ces morceaux de papier. Parce qu'en fait, les archives sont des objets protégés. On n'a pas le droit de les utiliser comme ça. On ne peut pas utiliser des archives. Ça n'avait aucun intérêt, en plus, pour moi, en tant qu'artiste ou en tant que regardeur extérieur, portant un regard esthétique
et plastique aussi sur ces documents, ça n'avait aucun intérêt finalement de les présenter tels quels. Donc là, par exemple, ce qui m'intéressait, c'était plutôt de photographier la photo d'Yvette Roudy recouverte d'un calque, qui était un des éléments qui traînait aussi dans les archives, pour aussi parler de cette dimension cachée et un peu plus discrète et invisible de cette lutte des femmes pour leurs droits et de la place du coup des femmes dans l'histoire. J'ai une petite pause parce que j'ai soif. Vous me dites si le temps est compté. Ouais. Donc on se dit encore un petit temps et puis après on arrête un quart d'heure. Ouais, ok. Donc là, c'était pour être un peu plus dans l'actualité de mon travail, enfin de mes recherches actuelles. Ça, ce sont des éléments d'archives de Suzanne Sontag, qui est donc une intellectuelle, une écrivaine et intellectuelle américaine, née aussi dans ces mêmes années, les années 40, elle est née dans les années 30, elle. Mais c'est aussi toute cette génération qui, pour moi, porte une histoire qui est un petit peu en train de se dissiper, peut-être, mais moi, à laquelle je porte une attention. Je suis partie en Californie, en fait, pour travailler sur deux choses. D'une part, les archives de Sontag, parce que Suzanne Sontag, en fait, c'est quelqu'un dont j'ai lu les journaux. Je vous le recommande si jamais vous aimez les formes du journal. Je suis tombée sur les journaux de Suzanne Sontag il y a quelques années, et en la lisant, en fait, j'ai trouvé assez passionnant. C'est une femme qui commence à écrire quand elle a 13 ou 14 ans, dans les années 40. Et en fait, à sa mort, elle est morte en 2006, et après sa mort, son fils a décidé de publier ses journaux. Donc l'intimité, finalement, de cette femme, qui était une grande intellectuelle, qui était très connue dans les milieux intellectuels, femme publique, disons, en tout cas avec une pensée se déployant dans la sphère publique, travaillant aussi sur des sujets très, très, très saillants de l'actualité. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé en lisant ces journaux, c'est comment un être se constitue depuis son intimité et sa dimension privée, en fait, dans sa dimension privée. Comment quelqu'un, la personne à laquelle on a accès, justement, par la sphère publique, qu'est-ce que cette personne dit d'elle-même dans sa dimension intime et privée. Et donc, son texte que j'ai trouvé magnifique dans ces journaux, c'est qu'elle commence à écrire à 14 ans, 13 ans. Et ces journaux, ils se terminent presque à la fin de sa vie, quoi. Elle est morte, elle avait, 70 et des poussières, je crois. Je ne sais plus exactement quel âge. Mais ce qui est très beau dans les journaux, c'est qu'en fait, elle décrit des choses très simples. C'est une écriture très, très, très simple et assez minimale, où elle décrit ce qu'elle ressent, comment elle comprend le monde. Et c'est assez troublant, parce que dès 13-14 ans, elle est extrêmement lucide sur son corps, sa sexualité, son rapport aux autres, ce qu'elle veut faire plus tard, son rapport à la philosophie, à l'émotion, à l'émotionnalité. C'est vraiment très troublant. J'avais trouvé en lisant ces journaux très, très, très beau de voir comment un être se constitue dans le temps, parce que ces journaux, ils s'étendent sur des années, des années, des années, des dizaines d'années. Comment dans le temps, un être qui va devenir une personne accomplie, comment ça se construit dans son intimité dès l'adolescence, en fait. Et donc, ces journaux, ils sont très, très beaux pour ça. Et le deuxième porte un nom que je trouve magnifique, qui est « La conscience attelée à la chair ». Et la conscience attelée à la chair, ça me parle parce que c'est vraiment la question de la performance ou justement du ce dont je vous parlais tout à l'heure, le avoir conscience de soi, de sa présence au monde et de sa présence aux autres, ça passe par l'incarnation et par la chair au sens propre, quoi. Ça passe par le corps. Et bon, bien sûr, moi, en tant que personne qui s'intéresse vraiment à la performance et à la question du corps, c'est pour moi fondamental. Comment on se construit, en fait, à partir de son émotionnalité et de son intimité, comment on se met en lien avec la dimension publique et avec l'autre ? Il ne s'agit pas de parler de soi, forcément, mais d'être toujours dans un va-et-vient entre, justement, comme tu disais, Marie, tout à l'heure, la petite histoire et la grande histoire. Toujours dans des va-et-vient comme ça. Et donc, je suis partie, du coup, en Californie, parce que je voulais vraiment travailler dans ces archives et continuer mon travail d'attention aux archives et à ces objets cachés, à toute cette dimension intime de l'histoire.
Donc ces documents, ils sont entreposés à UCLA, à l'université de UCLA, à Los Angeles. Donc je suis partie là-bas pour travailler là-dessus et d'une part et d'autre part sur les archives de la performance parce que la Californie, c'est vraiment le terreau de la performance plutôt féministe. Et donc je vous parlais tout à l'heure de la côte Est. Enfin, je ne sais pas si on a commencé à aborder ça, mais alors aux États... Oui, voilà, Babette Mangold, j'espère que vous n'êtes pas trop perdu, mais bon... Mangold, c'est donc cette femme qui a filmé Idir, dont vous parlez tout à l'heure. Elle est partie vivre à New York. Donc New York, c'est la côte est des États-Unis. Les années 60, la côte est des États-Unis, c'est très évidemment hyper bouillonnant. L'art se développe là-bas de manière très, très riche. C'est vraiment une très, très belle période. Enfin, bon, l'art américain de ces années-là, je ne sais pas si vous le connaissez déjà, mais vraiment, c'est une période très, très, très bouillonnante. Mais bon, ça l'est toujours, mais... L'année 50-60, c'est quand même une période très vraiment intéressante, quoi. Et notamment, c'est la période de la naissance de ce qu'on appelle le performing art, ou son inscription dans les institutions, peut-être. Et donc, la côte Est, New York, c'est les grands musées, les grandes institutions, beaucoup d'hommes dans ces institutions, beaucoup d'artistes plutôt hommes. Enfin bon, voilà. C'est l'histoire de l'art, hein, dans les années 60. Et puis, il y a en même temps, sur la côte ouest, se développe, et Marie connaît très bien cette histoire, donc elle pourra vous en parler en long, en large, pendant vos études. Enfin, je me permets de... Hein, c'est quand même un peu ton champ, parmi tes champs de recherche. Et la Californie, ce qui est assez génial, c'est que c'est un territoire plus déjanté, enfin, pas déjanté, c'est pas ça, mais plus ondulant, je trouve, que la côte est des États-Unis, où il y a des pratiques, en fait, performatives qui se développent, mais à l'intérieur des groupes, par exemple, des féministes qui commencent à développer des gestes et des œuvres impliquant leur corps. Et donc, il y a toute une histoire de l'art, en fait, une espèce de contre-histoire de l'art qui se développe sur la côte ouest, qui est beaucoup moins connue, beaucoup moins valorisée aussi. Et dans ce territoire, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui commencent à produire des œuvres, en fait, dès la fin des années 50, et bien souvent... Ces femmes-là, elles performent. Alors, elles utilisent leur corps. Alors, pourquoi ? Ça fait partie de mes questions. Donc, quand je suis allée en Californie, là, en 2019, je suis partie faire une résidence de 3 mois là-bas, j'étais partie avec ce focus-là de Sontag d'un côté, donc j'ai passé du temps dans les archives de Sontag, et en même temps, je me suis intéressée et j'ai rencontré, notamment ici, Suzanne Lacy, Amelia Jones, Suzanne Lacy et Barbara T. Smith, qui sont trois... personnalité de cette histoire, en fait. Amelia Jones, elle est critique d'art et c'est une grande spécialiste de la performance, donc elle a une soixantaine d'années. Je situe les âges parce que c'est, voilà, c'est important. Suzanne Lacy, c'est une artiste qui maintenant a 78 ans et Barbara T. Smith a 90 ans. Donc en fait, c'est cette génération des pionnières que je voulais rencontrer, qui sont toujours vivantes et qui sont les artistes, en fait, qui dès les années 60 quittent leur monde... comment dire, stéréotypés et les rôles dans lesquels on les assigne pour commencer à produire des actions depuis leur corps de femme et depuis aussi leurs conditions de femme. Par exemple, elles performaient dans des lavomatiques ou dans des endroits où leurs activités étaient consignées parce que les femmes étaient toujours encore des femmes au foyer, surtout aux États-Unis. Enfin, vous voyez bien les années 60, tout ce qu'on voit dans les films américains des années 60, c'est toujours des nanas dans la cuisine... avec tout leur électroménager. Et donc Barbara T. Smith, notamment, avec qui j'ai fait cet entretien, me racontait qu'à la fin des années 50, elle était mariée et casée, et que tout d'un coup, elle a commencé à se sentir très mal, à péter un plomb, et puis en fait, elle a quitté, en 57 ou 58, elle a quitté son mari, elle a quitté sa condition tout à fait établie pour... commencé à faire de l'art, à produire de l'art, et là elle a rencontré tous les artistes de la scène, la jeune scène californienne, Capro, McCarthy, etc. Et en fait, c'est constitué tout un groupe de nanas qui sont très très importantes pour l'histoire de l'art. Et ces femmes, elles ont notamment fondé la Woman House, qui a été un lieu qui existe toujours, mais qui est évidemment plus du tout actif de la même manière, qui était en, je crois, 72, un des très très forts, c'était un des très forts endroits de l'activation de la performance féministe en Californie dans ces années-là. Bon, voilà, ça fait partie, ça, des recherches sur lesquelles je suis en ce moment. Et puis là, je vais passer assez rapidement. Je reviens à la performance parce que voilà, je voulais aussi vous parler de ça. Ça, c'est un travail sur les sommeils
voilà, que j'ai fait récemment, enfin, que je fais depuis des années, mais c'est vraiment là, poser le corps. Je vous parlais de la lenteur et de la contemplation. Là, c'est poser le corps dormant dans les endroits d'exposition, dans les lieux d'exposition, et comment... Alors ça, ce sont des sommeils que je propose, qui durent 2 heures en général. Donc des performeurs viennent activer des sommeils dans des espaces. Là, c'est un théâtre, c'est le T2G à Gennevilliers, c'était en juin dernier. Et là, c'est encore cette question de l'intimité, finalement, transposée dans la sphère publique, qui est incarnée, représentée par le musée ou le lieu d'exposition, qui est ce lieu du regard... Vous, en tant que spectateur, nous, en tant que spectateur, on va aller à la confrontation d'œuvres qui, a priori, sont des œuvres faites pour les yeux. Alors là, c'était à la Biennale de Lyon, justement, je vous ai mis ces images parce que ça s'est passé. C'était à la Sucrière en 2017 pour la Biennale qui s'appelait Monde flottant. Et donc là aussi, ce sont des pour moi, des sculptures, hein, des sommeils, sculptures activées pendant 2 heures. Et là... ça s'étendait sur toute une après-midi. Donc les performeurs se relaient, ils viennent se réveiller les uns les autres, ils se mettent à la place du dormeur et puis ils passent des... Voilà. Mais ça, pour moi, je vous en parlais tout à l'heure, mais pour moi, ces formes, ce sont des formes résistantes. Je vous parlais du corps dur et du corps mou. J'ai plus le temps de m'étendre là-dessus, mais c'est vraiment voilà, des questions pour moi très, très, très politiques et... Voilà, se positionner, s'engager, voilà, ça peut prendre toutes sortes de formes. Juste une anecdote, enfin, quelque chose d'un peu anecdotique par rapport à ces sommeils. Quand j'étais à la Biennale de Lyon, là, c'est exactement les images que vous avez sous les yeux, je me promenais et puis j'étais... quand je mets en place des performances, je suis toujours là, je pars pas, je reste pas très loin des performeurs, parce que je pense important d'être avec eux. Et puis j'entendais une nana dire à sa copine « Non, mais c'est vraiment n'importe quoi, ce truc. Moi, lundi, je vais aller au bureau et puis je vais dormir, je vais faire pareil, c'est hyper facile. Je vais m'endormir sur mon bureau. » Et puis je lui ai dit, en fait, je suis intervenue, je lui ai dit « Bah justement, faites-le, on va voir si jamais vous vous mettez à dormir dans un lieu qui n'est pas du tout dévolu au sommeil, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que dormir quand on a un métier... Est-ce que s'endormir au travail, c'est toléré? Bien sûr que non. Est-ce que se reposer dans un espace où on exige de nous qu'on soit hyperactif, c'est autorisé? Évidemment que non. Est-ce que se mettre à dormir dans la rue tout d'un coup, s'allonger au milieu de la rue, ça pose aucun problème? Évidemment que ça va poser problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toute la question des usages des espaces et de nos actions et de nos positions corporelles dans ces espaces. Là, par exemple, c'était à la Sorbonne, c'était les étudiants qui dormaient, enfin, à qui j'ai proposé la performance, dans leurs espaces de travail, donc sur leur table de travail. Je finis par ça, parce que c'est très important pour moi de vous en parler. Économie solidaire de l'art, c'est un groupe de réflexion et de pression. On essaye en tout cas d'être assez actif. Que j'ai créé avec un ensemble de complices il y a 6-7 ans. Et donc c'est un site internet sur lequel vous pouvez accéder, mais c'est surtout une page Facebook qui concerne, en fait, on a créé ce groupe pour réfléchir à toute la question de l'économie des arts visuels en France et de nos métiers, qui sont des métiers souvent précaires et souvent fragilisés par toutes sortes de choses. Et Économie solidaire de l'art, c'est vraiment un lieu ressource où vous pouvez puiser beaucoup, beaucoup de choses sur des questions de vos futurs métiers, de qu'est-ce que c'est que la vie d'un artiste, combien on peut demander pour être payé pour une expo, des questions vraiment là très... Je change complètement de sujet, mais c'est vraiment des questions très pragmatiques et qui peuvent vous permettre de vous positionner aussi de plus en plus sur des questions des engagements aussi, du genre, du sexisme, du racisme, de tout ce qui peut vous poser question et nous poser question en tant que communauté professionnelle, en fait, tous au travail ensemble. Nous, on considère à Économie solidaire de l'art que vous, en tant qu'étudiant, vous êtes complètement impliqués déjà dans vos vies, futures vies professionnelles. Donc, c'est un espace de ressources, c'est une page à laquelle vous pouvez adhérer. On est à peu près 20 000 quand même maintenant, donc ça fait du monde. Et donc, je vous invite, si vous voulez, à rejoindre ce groupe, qui est un groupe qui peut vous ouvrir aussi vous aider à préciser des choses concernant vos propres activités. Je n'ai pas parlé du CNAP.
Ouais, juste pour terminer, donc c'est vrai qu'en parallèle de mon travail artistique, j'essaye de développer vraiment pas une expertise, puisque le mot, je trouve prétentieux, il n'est pas très intéressant, mais une finesse, en fait, un regard un peu pointu sur la question de l'immatérialité en art et des œuvres immatérielles, et justement de la performance, mais pas seulement, des scripts, de toute cette histoire immatérielle, en fait, qui est passée un petit peu à l'as de l'histoire de l'art, puisqu'elle est difficile à cerner, elle n'est pas le tableau, elle n'est pas la sculpture, elle n'est pas l'objet conservé. Et du coup, je suis engagée notamment auprès du ministère de la Culture dans ce qu'on appelle le CNAP, le Centre National des Arts Plastiques, et je fais partie des jurys d'acquisition des œuvres d'art du CNAP. Et je sais qu'on m'a proposé d'intégrer ces jurys pour justement travailler sur la collection d'État, qui a été fondée en 1792, quand même, la collection du ministère de la Culture français. Donc depuis 1792, l'État français achète des œuvres d'artistes, pas seulement français, et constitue une collection. Dans cette collection, il y a, je pense, 90% d'objets. Alors que l'histoire de l'art est faite d'œuvres sonores. Vous voyez bien, le XXe siècle, en plus, il a vraiment là-dessus œuvres sonores, œuvres vidéo, œuvres immatérielles, scripts de performance. Toute cette dimension immatérielle de l'art, en fait, pièces qui sont à la limite du théâtre, à la limite de la performance, à la limite des arts visuels. Et donc, je fais partie des commissions, effectivement, d'achat d'œuvres pour pousser sur la question d'acheter de plus en plus des œuvres immatérielles et des œuvres de femmes aussi, parce que dans les collections publiques, ça, c'est évident. Enfin, c'est évident. On le sait, mais c'est important de s'en souvenir. Il y a, je pense... je dirais 90% d'œuvres qui ont été faites par des hommes, quoi. Franchement, je pense que c'est de cet ordre-là. Et donc là, ça se rééquilibre un petit peu depuis quelques années. Il y a de plus en plus d'œuvres d'artistes femmes qui rentrent dans les collections. Et donc, le CNAP, le Centre National des Arts Plastiques, porte beaucoup d'attention aussi à ces nouvelles œuvres et puis aux femmes artistes, quoi. Ce qui est très important parce qu'il faut rétablir un équilibre. Donc, mais aussi sur des questions très, très politiques de genre, de race, de post-colonialisme. Ce que je veux vous dire à travers ça, c'est que les structures, en fait, les institutions en France suivent aussi l'actualité politique au sens noble et s'intéressent aussi aux œuvres artistiques qui résonnent avec nos actualités. Et en tant qu'étudiant, vous êtes évidemment dans votre contemporanéité, donc vous êtes en plein dans ces questions, quoi. J'ai vu deux étudiants ce matin de travaux... Et on voit bien, en fait, que les questions qui vous travaillent sont des questions très contemporaines. Les institutions, elles y portent une attention, donc il ne faut pas hésiter à les rencontrer, à voir ce qui s'y passe. Voilà, moi, ça fait partie de mes engagements de valoriser ces formes un peu plus en marge, quoi, que les objets. Je vais m'arrêter là, parce que j'ai l'impression que déjà, que j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup dit. Et ça suffit. Voilà. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, des réflexions, des énervements, des je sais pas quoi, c'est avec plaisir. Bonjour, moi j'avais une question sur la première performance. Vous n'avez pas du tout parlé du son. Ah oui. J'ai trouvé très important et je voulais savoir par rapport à la performance de Bruce Nauman s'il était le même oui, et même vrai. Vous, vos intentions sur le son de cette performance. Alors le son, ça appartient à Babette Mangold parce que c'est elle qui a beaucoup, beaucoup insisté pour qu'on ait un son très, très présent de la ville, donc du contexte dans lequel Idir marchait. Et quand on a fait le montage, en fait, image et son, on a essayé de porter autant d'attention à l'image qu'au son, effectivement, et donc pour qu'il soit une matière à part entière. Donc tu as tout à fait raison, il est extrêmement important. Il permet d'englober un peu plus encore le spectateur dans l'image et de traiter de la question du contexte et de l'espace vraiment dans lequel Idir évolue. Et le film de Nauman, si vous allez le voir, il est dispo sur YouTube, notamment, et Vimeo, je crois. On l'avait
regardé tout à l'heure, c'est le son du projecteur, parce qu'il se filme. Bruce Nauman, en fait, il était tout seul dans son atelier en 67 et il se filme tout seul. Donc c'est le Super 8, on entend le son de ces vieux, de ces caméras Super 8. Et donc c'est un son lancinant et qui du coup aussi donne voilà, la présence du contexte, c'est-à-dire un homme seul dans son atelier qui se filme seul avec sa caméra. Voilà. Tu parles de la pièce de Nauman ? Non. Dans Idir ? Oui. Alors ça, c'est quand le son change, c'est quand on change d'espace. Donc c'est vraiment de la prise directe. Tu vois, donc si le premier son, c'est un quartier d'Alger, Bab El Oued, qui est super dense, il se passe plein de trucs autour. Alors en fait, l'action est isolée, parce qu'à partir du moment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à partir du moment où tu produis une action un peu bizarre ou un peu décalée dans l'espace, ça fait le vide autour. Donc en fait, c'est pas nous qui avons dit aux gens, ne venez pas. Enfin, parfois si, on a quand même un peu cerné l'espace de film, mais finalement, les gens, ils restaient vachement sur les bordures... Et donc, quand il y a des coupures de son, c'est des changements d'espace. Et donc, ça veut dire que le son n'est plus le même d'un espace à l'autre. Voilà, tout simplement. Qui était la première personne qui a levé la main ? Bonsoir. Merci d'abord pour votre présentation. Merci à toi, merci à vous. Il y a quelque chose qui m'intriguait, c'était la façon dont vous définissez la nature de vos œuvres. Enfin, par exemple, pour The Viewers, vous avez alterné un peu entre sculpture et performance. Et je trouve ça assez drôle, puisque vous avez dit au début de votre présentation que vous aviez eu un blocage justement sur la sculpture. Et du coup, ça m'intéresse de savoir pourquoi vous continuez à utiliser ce terme. Oui, parce que ouais, c'est très juste, parce que ta question, elle va dans le mille, parce que justement, je trouve que ce qui est intéressant... Enfin, bon, je ne sais pas comment vous vivez ça pour l'instant et comment vous le vivrez en progressant dans vos recherches, mais on est bourré d'ambiguïté, de paradoxes, de tensions, et je pense que le fait que j'ai commencé à faire des gestes parce que j'arrivais plus à faire d'objets, est toujours en jeu dans mon travail, en fait. C'est comme si, c'est ce que je trouve assez dingue, c'est que j'ai l'impression qu'en tant qu'artiste, on creuse un sillon, en fait, toujours le même, toute sa vie. Enfin, c'est très bizarre, quoi. Et que finalement, effectivement, je continue à me questionner sur l'objet, quoi. Mais tout en ne faisant pas d'objet. Mais quand même, je parle de l'objet. Et en tout cas, je parle de l'œuvre. Ce mot, il est un peu limitant. Mais je parle de ce qu'est cette forme que l'artiste propose à un regardeur, en fait. Cette forme, c'est quoi ce truc-là ? Cette espèce d'objet traditionnel, comme je vous disais, c'est un truc, quoi, c'est un machin. Voilà. Je n'arrive pas à ne pas truc, si tu veux, en fait. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on produit une œuvre... On cerne une forme, en fait. On fabrique une forme, quelle qu'elle soit. Qu'elle soit une forme... voilà, est-ce qu'elle soit une sculpture, je ne sais pas, une vidéo, une toile, un document, un livre. On va contenir quelque chose à l'intérieur d'une forme. Ça prend forme, quoi. Et donc... Pour moi, le corps, si tu veux, c'est comme si j'avais toujours un regard. C'est comme si j'étais toujours finalement sculpteur ou peintre. C'est juste que j'ai décalé ma matière et que je me suis intéressée plutôt à nos présences comme forme, à nos présences vraiment physiques, à la présence physique comme forme. Mais c'est vrai que je m'intéresse toujours à cette question de la relation entre un objet exposé et son spectateur. Et que donc, je pense être vraiment une artiste visuelle, tu vois. Je ne suis pas une artiste de scène du tout. Mon travail, il ne tiendrait pas sur un plateau de théâtre. Il n'aurait pas de sens. Parce que ce qui lui donne sens, je pense, c'est le cadre dans lequel je le pose. Ce sommeil, par exemple, si je proposais une dormeuse comme ça dans un endroit où on a l'habitude de voir des gens dormir, ça n'aurait aucun sens. C'est le décalage avec le cadre, en fait, qui va produire l'attention et le sens.
Et donc, effectivement, je pense que je continue finalement à faire de l'installation et de la sculpture tout en utilisant une matière qui est une matière vivante, quoi, et qui est donc beaucoup plus émotionnelle et affective. Mais tu as tout à fait raison, je suis complètement en tension avec tout ça, et peut-être aussi que je cherche à résoudre ce problème que j'avais rencontré pendant mes études, et que d'ailleurs je cherche à faire rentrer des œuvres immatérielles en collection, et j'y crois beaucoup, parce que je pense que, tu sais, le patrimoine immatériel, pour moi, ça a du sens. On n'est pas constitué que de... La matérialité du monde, c'est pas que les objets. Moi, j'en ai ras-le-bol, en fait. On est dans un monde tellement... Je sais plus, j'avais lu un chiffre, mais il est trop ancien pour que je m'en souvienne, il y a une vingtaine d'années, j'étais tombée sur le chiffre du nombre d'objets qu'on possède en 2000, ça devait être 2010, le nombre d'objets en un siècle. Et c'était énorme. En 1910, les gens avaient je ne sais pas combien d'objets autour d'eux, et 100 ans après, ils en avaient 1000 fois plus. On est saturé d'objets. Alors là, on revient à une dématérialisation parce qu'on commence à avoir des outils. Là, j'étais à Stockholm, là-bas, tout est sur le téléphone. Tu perds ton téléphone, tu es vraiment... perdu, hein. Mais tout, hein. Le ticket de métro, le test, le Covid machin, le truc. Donc on dématérialise en ce moment, mais c'est pour rematérialiser dans un objet qui reste encore un objet. Mais c'est vrai que cette question du rapport à l'objet, pour moi, elle est problématique, mais au sens productif d'une pensée aussi. Merci. Bonjour. Bonjour. Du coup, un peu en lien avec ce qui était dit avant sur la dimension sculpturale que peuvent prendre les corps dans ton travail, moi je me posais la question des vêtements en fait. Les vêtements. Portés par les performeurs et les performeuses, et en particulier la performance d'Oslo, du coup, où il y a cet effet assez troublant de voir le public face à la performance et quelque chose d'indistinct en fait dans les manières d'être vêtu. Celle-ci, tu veux dire, cette image-là ? Voilà, donc je me demandais si c'était toi qui choisissais les tenues de manière un peu spécifique, ou si c'était les performeurs, performeuses qui arrivaient comme ça. Parce que là, en fait, tu trouves que finalement, il n'y a pas de distinction entre le public et les performeurs, c'est ça ? Oui, je trouve que c'est un peu le même registre de d'habillement. Oui, tout à fait. Ce n'est pas des costumes, c'est des vêtements ordinaires. Non, alors ça, c'est vraiment intéressant. Tu viens de prononcer le mot, justement... que je fuis, alors je fuis l'objet, mais alors je fuis aussi quelque chose qui est la théâtralité. Et en fait, ça c'est très, très intéressant et très important, je trouve, c'est que si là, effectivement, je laisse les performeurs s'habiller exactement comme ils veulent, parce que je veux surtout pas que... Si tu veux, le geste, il est suffisamment théâtral comme ça pour pas avoir à en rajouter, en fait. Ils sont immobiles dans un espace où tout le monde bouge autour. Donc... Et en plus, ils fixent les gens. Quand tu es face à eux, ils te regardent. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Est-ce qu'on est capable de tenir le regard de quelqu'un qui nous regarde avec insistance ? Donc, si tu veux, la forme, elle est tellement déjà sculpturale, non théâtrale. Si, par exemple, je leur proposais des costumes, je pense qu'on glisserait vers la théâtralité. Et c'est une limite qui me... Je souhaite rester du côté de la performativité et de la non-théâtralité que d'aller du côté de la scène et du théâtre. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est très subtil, mais le costume, pour moi, c'est un accessoire. C'est une artificialité, c'est une artificialisation. Et donc, le performeur, je leur demande mais toujours de venir comme... et d'ailleurs, à Oslo, tu sais, il y en a une qui est... C'est assez marrant parce qu'en fait, en fonction des... Enfin, là, ça me faisait marrer parce que vraiment, Oslo, c'est des villes, mais ça flotte, il neige et tout. Et je leur disais, non, mais aujourd'hui, vous n'allez pas performer, il pleut. Hein. C'est mais n'importe quoi, on y va, nous, on a l'habitude. Donc, ils venaient tous avec leur truc et ils restaient pendant 2 heures comme ça, sous la pluie, parce qu'ils sont tellement, ils ont tellement l'habitude de vivre dans des climats. Nous, mais moi, je ne pouvais pas rester 10 minutes. Mais eux... Et ça, je trouve ça intéressant. Et du coup, tu vois, le vêtement, c'est aussi comment... c'est ton... Voilà, c'est ton... C'est...
Donc je trouve ça plus intéressant en fait de laisser les performeurs travailler avec ce qu'ils sont, parce qu'en fait quand je leur propose de performer, ils sont vraiment là avec ce qu'ils sont, hein, avec leur, c'est pas des acteurs au sens professionnel. Parfois ça, ils sont professionnels, mais la plupart du temps c'est des gens, je fais un appel à participation et qui veut vient, qui a envie de, parce que vivre une expérience comme ça, c'est pas du tout facile. Rester 2 heures debout à regarder des gens qui passent, c'est pas quelque chose d'anodin, si tu veux. Toi aussi, en tant que performeur, t'es performé par la pièce, quoi. Au bout de 2 heures immobiles, t'as vécu, tous les performeurs, ils vivent aussi des situations qui les... Donc je pense que c'est suffisant. En tout cas, moi, j'ai pas envie d'aller du côté du théâtre, je m'y reconnaîtrais pas. Mes codes, les codes sur lesquels je travaille sont des codes vraiment plastiques et esthétiques, ce sont pas les codes de la théâtralité. Question très importante en performance. Hein. Enfin, je trouve qu'elle est importante. Surtout en France, on en parlait là un petit peu ce matin, et puis on en parlait avec Marie. En France, voilà, si vous faites du théâtre, vous faites pas des arts plastiques, c'est très très pénible, mais il n'y a pas tellement de fluidité entre les arts, alors que dans les pays anglo-saxons, il y en a beaucoup plus. Performing arts, sur les scènes anglo-saxonnes, et dans l'histoire de l'art de ces pays-là, c'est beaucoup plus fluide d'un domaine artistique à l'autre ici, c'est soit vous êtes dans les artistes visuels, ou alors vous êtes intermittent du spectacle, ou alors vous êtes écrivain, ou alors... Mais c'est très très difficile de trouver une place d'artiste en étant dans les fluidités des formes, malheureusement. Qui veut... Juste par rapport à la question précédente, moi ce qui m'avait plutôt, enfin par rapport aux vêtements des performeurs, sur la performance juste avant, The Waiters, c'est ça Non, j'ai pas encore fait les Waiters. Non, non, c'est comment c'est, Les Viewers. Les Viewers, c'est comment celle des hommes qui attendent Waiting Room, pardon. Ah non, Waiting Room, ouais, pardon. Excusez-moi. Ouais, non, je comprends. Il y a quelque chose qui m'a un peu frappé au début, puis j'avais oublié, puis en fait maintenant j'y repense avec la question d'avant, c'est que il y a quand même un décalage, moi je trouve, entre ces gens-là, ces hommes-là, et leur tenue, leur âge et aussi leur genre, enfin leur ethnie. Mm. Et pour moi, c'est pas des gens qui attendent pendant 4 heures. Enfin, on dirait que des employés de bureau qui attendent 5 minutes peut-être post-clope. Mais pour moi, si je vais dans la rue, peu importe la ville où on est, que ce soit un pays du nord ou du sud, les gens qui attendent 4 heures dans la rue en groupe, c'est plutôt des gens des classes populaires et plus jeunes, quoi. Du coup, ça m'a frappé un peu ça au début. Ouais, ouais, je sais pas si un truc. Non, mais t'as tout à fait raison, mais. Comme je transposais, pour moi, c'est une transposition d'un motif de la rue à l'espace muséal où je voulais pas reproduire, je voulais pas être littéral. La littéralité, ça me fait un peu peur. Et peut-être que j'ai tort de pas l'être, d'ailleurs, parce qu'on sait jamais si on a raison ou tort, tu vois, c'est pas ça la question. Mais j'avais pas envie, justement, de stigmatiser un groupe, tu vois, de mettre un groupe de jeunes rebeux ou de jeunes... Enfin, un zoo... Bah ouais, j'avais vachement peur de ça. Et la question, pour moi, elle était pas là. Elle n'était pas d'exoticiser quelque chose parce que je trouverais ça totalement indécent. Et puis parce qu'en plus, moi, je me situe vraiment entre ces deux cultures, et donc je ne voulais pas... Et puis je me disais, mais alors peut-être qu'il faudrait que je choisisse des hommes de différentes couleurs, tu vois. Un homme qui a la peau noire, un homme qui a une peau plus claire et tout. Puis en fait, je n'ai pas voulu rentrer dans ces trucs parce que je me suis dit, mais ça va faire vraiment une espèce de panel et de défilé de stéréotypes, je veux pas de ça, quoi. Donc j'ai lancé un appel à projet, un casting, et j'ai recruté en fait ces 6 performeurs à partir de ce casting. Et d'ailleurs, je l'ai rejoué, cette performance, il y a un an, dans un musée, au Musée des Beaux-Arts à Nantes. Et là, j'avais d'autres... Bon, il y en avait certains de cette performance, mais il y avait aussi d'autres hommes, dont Elio. Et là, c'était vraiment intéressant parce que j'ai pas les photos là, parce qu'elles sont sur mon ordi, mais... Elio, il se définit comme ni garçon ni fille. Il a 23 ans, il est, comment vous appelez ça, non-binaire. Je ne veux pas me planter, hein, surtout. Voilà. Et Elio, il est quand je le regarde, c'est ni un homme ni une femme, il c'est une créature. Il a les ongles très longs, les cheveux très longs. Et en fait, je lui ai proposé de performer. C'était vachement intéressant parce que là, on était face à un corps qui n'était plus du tout
ni masculin ni féminin, la question ne se posait plus. Et c'était vraiment, vraiment intéressant. Alors, je n'ai pas les photos là, mais ouais, ça m'a beaucoup intéressée. Donc, je préfère, si tu veux, que les candidatures se fassent. Parce que ça, c'est pareil, quand on performe 4 heures. Ce n'est pas rien de faire ces actions, en fait. Elles sont écrites, mais elles sont quand même et très exigeantes pour les performeurs. Et je préfère travailler avec des personnes, quoi, des personnes au sens des personnalités, des individus, quels qu'ils soient, plutôt que de stéréotyper les représentations. Parce que ça, je pense que c'est très problématique pour moi. Je n'ai pas envie de faire un panel pro qui serait, voilà, je suis totalement, je veux une personne de chaque genre ou de chaque ethnie. Ça ne me semblerait pas avoir de sens, en fait. D'accord, merci. Et je voulais surtout pas transposer effectivement la rue algéroise dans le musée français, parce que alors là, au secours, là, on est vraiment dans le post-colonialisme. Pour moi, c'est juste pas possible, quoi. Et par contre, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire pour cette performance, et t'as complètement raison quand tu dis que c'est plutôt les milieux populaires, parce que cette action, là, d'attente dans les rues, en fait, à Alger, elle a un nom. Je l'ai lu dans le journal dans les années 2000. Ça s'appelle le hittisme. Et ça vient du... Alors ça, pour moi, c'est important. J'ai oublié de vous en parler, mais parce qu'on ne peut pas parler de tout. Mais hittisme, c'est un néologisme. C'est un mélange entre hit, H-I-T, qui en arabe veut dire mur, et le isme français, qui est le suffixe, en fait. On pourrait dire IT, en fait. IT, c'est tenir les murs. En fait, IT, ça voudrait dire tenir les murs. Ce qui est, je trouve, assez génial dans la langue algérienne, c'est qu'elle est mêlée de 3 langues, le français, l'arabe et le kabyle et le berbère, parce que c'est un pays, l'Algérie, qui est traversé par ces 3 cultures, pour le moment, il y en aura peut-être d'autres. Et donc, ils ont synthétisé dans leur langage ces 3 langues. Et je trouve, moi, que ce terme « hittisme », il est utilisé, en fait, pour parler des chômeurs, de tous ces mecs qui zonent dans les rues, parce qu'en fait, ils n'ont pas de boulot. C'est un symptôme sociopolitique, le hittisme. C'est tous ces hommes désœuvrés, vraiment désœuvrés au sens qui s'ennuient et qui, en fait, passent leur vie dans les rues parce qu'ils n'ont pas de boulot et parce qu'aussi, ils n'ont pas vraiment de place dans les espaces privés qui sont plutôt dévolus aux femmes. Donc, y a plein de mecs dans les rues, effectivement, et ils s'installent, ils jouent au baby. C'est assez génial parce que tu as des endroits, tu as des baby-foot. C'est assez beau, quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment le peuple de la rue, quoi. Et je trouve que c'est très intéressant. Alors, ils font toutes sortes de choses, quoi. Ça trafique du fric, des clopes, toutes sortes de choses. Tu sais pas trop quoi, d'ailleurs. Voilà, ça drague, ça siffle, ça... Mais avant tout, c'est des jeunes hommes, très souvent, il y a aussi des personnes plus âgées, mais désœuvrées. Et c'est utilisé comme ça dans la langue algérienne pour parler du chômage, en fait, et du manque de travail. Et je trouve aussi ce qui est intéressant, c'est que hittisme, c'est un terme post-colonial, quoi. C'est-à-dire que c'est une trace de la langue française qui est encore active en Algérie, quoi. Excusez-moi, Carole, en parlant de désœuvrement, les personnes, là, une question technique, ont un contrat de travail ? Oui. Alors ça, pour moi, ça, c'est très important. C'est une bataille que je mène en permanence avec les institutions pour que les gens qui performent avec moi soient payés. Et ça, c'est pas toujours gagné. Et grosse bataille pour que moi, je sois payée. Alors attention, là, on va rentrer dans l'économie solidaire de l'art, mais pour que l'artiste soit rémunéré et avec la performance, que les performeurs soient rémunérés. C'est pas toujours possible. Et quand c'est pas possible, moi, ça me pose un gros problème. Donc, la plupart du temps, quand c'est pas possible, je dis, alors il y aura pas de performance. Je trouve que c'est pas... Par exemple, à Lyon, hein, vraiment, à la Biennale de Lyon, justement, quand j'avais montré les slippers, on m'avait dit... Ah mais non, on ne peut pas les payer parce qu'on a vraiment une politique d'emploi de bénévoles. Je me souviens, c'était ça. On travaille avec des bénévoles et c'est comme ça pour toutes les pièces performatives. Si on commence à payer tes performeurs, on devra payer tout le monde. Et du coup, on ne sera plus dans ce travail de la population qui peut prendre part aux œuvres et tout ça.
Et on en parlait, si jamais un jour vous faites de la performance, je vous recommande d'être plutôt intermittent du spectacle, mais d'ici là, bon, on ne sait pas ce que sera devenu intermittent, c'est surtout le problème, c'est que si vous êtes intermittent, c'est pas tellement le statut qu'on demande aux plasticiens pour qu'ils soient payés pour les résidences. Quand on achète une œuvre, par exemple, à un artiste plasticien, on les achète en honoraire. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je dévie un peu, mais... en France, quand on est artiste des arts visuels, c'est compliqué d'être intermittent et vice-versa. Et l'intermittence, malheureusement, elle n'est pas réservée à nos métiers. Elle est souvent réservée plutôt aux métiers des arts de la scène. Bon. Mais la question de l'économie, elle est super importante. Ouais. Y a-t-il peut-être une dernière question ? Quelqu'un veut le micro ? Mais merci en tout cas pour vos questions, c'est super. D'abord. Merci. Allô. Juste une petite question par rapport à Maria Abramovic que vous avez noté. Dans les dernières photos qu'on a vues de cette artiste, elle est vraiment sous un masque de botox et des chirurgies plastiques, des choses comme ça. Et moi, je voulais juste savoir comment vous voyez une artiste qui justement pose cette question de corps d'artiste et le performarité de les corps humains et son rôle révélateur. Comment on peut résoudre ce problème dans notre pensée, enfin, c'est pas très clair pour moi. Ce que tu veux dire c'est comment on résout le problème du corps qui change, par exemple. Oui, ou... comment vous voyez cet artiste qui pose cette question et après elle fait elle se cache derrière des botox ou des plastiques. C'est vrai que Marina Abramovic, elle a un parcours quand même qui est assez... Moi, je me demande si elle n'est pas tombée un peu du côté obscur, en fait. Mais... Non, parce que c'est vrai que c'est troublant, quoi, parce que c'est une artiste vraiment qui a une pratique engagée. Si vous allez voir ses premières performances, c'est vraiment puissant. C'est un travail hyper politique, où justement, elle parle du corps et du corps dans tout ce qu'il a de plus... intègre, en fait, et radical, quoi. Et c'est vrai que j'aurais imaginé peut-être que Marina Abramovic aurait plutôt travaillé sur ce que c'est que en tant que femme engagée, ce que c'est que de vieillir avec un corps de femme, sans le transformer, sans... Par exemple, elle a fait une performance qui s'appelle... Artist Bio. Comment c'est cette performance? Ça, c'est vraiment... Parce que là, on est exactement dans ce dont tu parles. C'est en 74, je crois, donc elle était jeune artiste. C'était le début, c'est plus intéressant. À mon avis, une période super intéressante de son travail. Art is Beautiful, ça s'appelle. Vous pouvez la trouver sur YouTube. Elle se brosse les cheveux. Art Beautiful, Art is Beautiful. Elle se fait mal, en fait. Elle est devant la caméra et Art is Beautiful, c'est vraiment... Et c'est vraiment la question... pour faire de l'art, il faut être belle, ou l'art est beau. L'art doit être beau. Alors déjà, le beau, vous savez bien que c'est très difficile à définir. Et c'est vrai que moi, j'aurais pensé qu'elle aurait plutôt travaillé sur un corps qui se déconstruit avec le corps, le vieillissement naturel du corps. Or, c'est exactement, effectivement, l'inverse qu'elle fait. Mais c'est aussi une artiste qui... est complètement tombée dans l'image d'elle-même. Alors peut-être qu'elle l'était déjà en fait dans les années 70, et peut-être pas, mais c'est vrai qu'elle a, elle se représente maintenant et elle se vit comme une créature sacralisée. Je ne sais pas si vous avez vu les photos et les images de The Artist is Present, où à New York elle est en robe rouge, elle attend les gens à une table, notamment il y a son ex-partenaire de travail, Ouley, qui vient, et donc là il verse une larme tous les deux, c'est hyper... Alors là c'est vraiment théâtralisé à l'américaine, quoi. Et donc j'avoue que je comprends pas trop, et que moi ça me déçoit un petit peu, effectivement. Elle travaille aussi sur sa mort, donc on va voir ce qu'elle va... Oui, mais apparemment elle n'aime pas trop mourir, quoi. Elle écrit le scénario, en tout cas, de sa disparition. Mais c'est vrai que c'est troublant, quoi. C'est autant Orlan, bon, qui continue à se défigurer, je peux comprendre, parce que vraiment Orlan, elle continue,
Mais elle travaillait de toute façon sur les transformations du corps. Mais Marina Abramović, c'est vrai que... Après, je ne sais pas, peut-être que moi, quand j'aurai 70 ans, je me dirai « Ah non, mais finalement, je... » Pour l'instant, je me dis « Non, jamais de chirurgie esthétique. » Mais peut-être que je me dirai « Ah non, finalement, je ne supporte pas mon image. » C'est le rapport à l'image de soi. Ça, c'est un mystère un peu. Peut-être par rapport au Botox, moi j'avais dit une fois que c'était peut-être un moyen, comment conserver les performances et comment conserver les performeurs. C'est oui. Peut-être aussi une question de conservation, le Botox. Oui, mais c'est bien, c'est tout à fait ça. Mais pour terminer, peut-être, j'ai une question, mais est-ce que tu t'intéresses aux archives, aux carnets de Suzanne Sontag, et je me demandais en fait quelle était la forme de tes carnets, ou si tu as des carnets, des scripts, et si toi-même tu as des archives, ou si c'est quelque chose d'épars ou que tu as déjà réfléchi. Ouais, ça c'est une bonne question. Bah, en fait, j'ai plein de carnets, ouais. Mais bizarrement, bah, là, il y en a un. Bah, j'en ai plein des carnets, mais c'est beaucoup plus des pensées étalées que du travail en soi. Mais de toute façon, c'est quoi le travail de l'artiste? Je ne sais pas trop. Mais moi, j'ai tendance à dire que mon atelier, c'est mon corps et mon cerveau. Du coup, je n'ai pas d'atelier. Je me déplace et du coup, je déplace mon travail avec. Et donc, j'ai toujours un carnet sur moi, toujours, dans lequel je note toujours tout ce qui me vient. Mais ce n'est pas forcément des carnets au sens... Il n'y a pas forcément de dessin ou de pratique plastique en soi. Mais par contre, j'y note énormément de choses. Et souvent, c'est mêlé entre ma vie privée et mon boulot, quoi. Enfin, tout ça, c'est très fluide. Ça va... C'est des réflexions un peu existentielles. Ouais. Tous les carnets ont une date. Tu vois, celui-là, c'est juin 2000. Je vois rien, j'ai pas mes lunettes. 21, ça doit être 21. Comment tu sais que c'est 21? T'as regardé dans mon carnet? Tu vois cette histoire? Ouais, ils sont tous notés au début, ouais. Et puis, il y a plein de trucs dedans aussi. Tu vois, des bouts de des trucs que je récolte. Ça, je garde beaucoup une carte d'une boutique à un endroit, une carte de la bibliothèque de machin, l'entrée du musée, truc... Ben, merci beaucoup pour votre attention. Hein, parce merci que, beaucoup. Ouais. Franchement. Au revoir. Merci, vraiment. C'était un plaisir et je vous souhaite plein de bonnes choses.